Elaz Sellou d'Alain Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Elaz Sekouyaya Bari, doyen de la coordination Hanipoulard, est décédé. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Avec beaucoup de tristesse, parce que j'avais déjà beaucoup d'admiration pour lui, qui est d'une droiture irréprochable, qui aime la vérité et qui était d'une générosité exceptionnelle. Je considère que c'est une grande perte pour le pays. C'est quelqu'un qui a participé activement à la lutte pour l'indépendance de la Guinée et qui a servi loyalement le jeune État indépendant. Il avait horreur de l'injustice et de la corruption. Et depuis un certain nombre d'années, il était à la tête de la coordination Hanipoulard. Et il a fait preuve de la même générosité, de la même droiture. Et il a œuvré pour l'instauration dans notre pays de l'état de droit. Il a voulu qu'il y ait l'égalité des chances, qu'il y ait l'égalité des citoyens devant la loi. Et il a œuvré pour ces valeurs-là durant toute sa vie. C'est pourquoi les Guinéens lui ont rendu un hommage mérité. Parce que toute sa vie, il n'a pas cherché la faveur des puissants. Il n'a pas cherché l'argent qu'il considérait comme shaitan. Il s'est mis au service de la société avec un désintéressement extraordinaire. Et c'est donc toute la Guinée qui pleure le décès de la Guinée. Et moi, on avait une très très bonne relation. Il avait beaucoup d'affection. Il avait confiance en moi. Et tout comme j'en avais pour lui. Et nous avons toujours eu des entretiens de père à fils. Il m'a donné des conseils. Est-ce que c'est nécessaire? Je l'ai consulté. Est-ce que c'est nécessaire? Non pas en tant que président de la coordination Hanipoulard, mais en tant que sage, pétri d'expérience et étant d'une sagesse reconnue. Donc je voudrais saisir cette occasion pour adresser au peuple de Guinée, à la communauté Hanipoulard et à sa famille et toutes mes condoléances. Que la terre de Guinée qu'il a aimée, qu'il a servi, qu'il a contribué à libérer, lui soit légère et qu'Allah, Allah le Tout-Puissant, l'accueille dans son paradis. Amen. Alors, quel message avez-vous à l'endroit de son futur successeur et à tous les membres de la coordination Hanipoulard? Écoutez, j'ai présenté mes condoléances aux membres de la coordination Hanipoulard. Je souhaite qu'ils trouvent parmi eux quelqu'un qui peut ressembler à Elaz Sekouyaya en termes de droiture, en termes d'amour de la vérité, en termes d'amour du son prochain, pour que la coordination Hanipoulard joue son rôle, qui est celui d'assurer la solidarité entre les ressortissants de cette région à l'intérieur d'une Guinée plurielle, mais unie et tournée vers son développement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.